c'est la clé du futur. Je voulais faire une petite intro parce qu'en fait, je me suis rendu compte que on va commencer une série de trois vidéos en fait, un petit peu sur l'évolution de cette maison que j'ai ici à Bali. Et effectivement, j'ai fait des petites intros, mais comme c'est des vidéos qui ont 2 ans et que je savais pas trop où j'allais quand je faisais ces vidéos, c'est juste à la base un peu pour moi pour voir l'évolution. Enfin, je parle quand même pas mal, je présente donc je sais pas trop c'était quoi mon idée, mais je pense que je voulais en faire une vidéo YouTube et là je me retrouve 2 ans après. Donc il fallait que je fasse une petite intro. Je voulais faire une série de vidéos, donc je pense qu'il n'y en aura, il y en aura que trois au final sur un peu le makeover, enfin les évolutions de la maison, comment je l'ai décorée, etc. Donc aujourd'hui en fait on va être dans le premier épisode. Je suis désolée pour la qualité de vidéo puisque ça a été filmé avec mon ancien appareil photo assez comme ça. Donc la dernière vidéo sera de bien meilleure qualité, je crois que la deuxième est déjà un peu meilleure. Mais voilà, je m'excuse déjà pour cette qualité qui va pas être ouf, mais je trouvais ça sympa de vous montrer quand même en trois épisodes un petit peu l'évolution. On voit un peu la maison changer, je trouve ça hyper intéressant et c'est vachement le genre de vidéo que j'aime bien regarder en ce moment, déco, etc. Makeover, enfin comment on peut changer l'aspect d'une maison. Donc voilà, je parle pas plus longtemps, je vous laisse découvrir la vidéo, le premier épisode du coup, la présentation de la maison, en fait, comment je l'ai prise. Et faut savoir que voilà, j'ai vu un potentiel. La maison était sympa, mais franchement, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment mieux maintenant. Après, dans une maison, on n'est jamais complètement satisfait, on veut toujours changer. Et puis, il y a des choses qu'on n'aime plus, enfin, on veut meilleur. Cette maison va beaucoup changer aussi dans les années à venir, mais pour l'instant, c'était des changements que j'ai faits à moindre coût. C'est juste accessoriser ou changer, par exemple, des rideaux qui étaient vraiment moches et je les ai changés. Enfin, voilà, c'est pas du gros aménagement. Ça reste très petit et voilà, c'est fait main ou des petites choses qui ont été faites par des artisans ici, mais ça reste petit changement. Dans les années à venir, il y aura la terrasse qui va changer parce qu'elle est vraiment pas pratique et les salles de bain aussi. Donc voilà, mais je ne parle pas plus, je m'arrête ici et je vous laisse en profiter de la vidéo. Donc du coup là on est dans l'entrée, là il y a mon scooter ici. Et en fait c'est protégé, donc enfin protégé. Ça c'est la porte en fait du garage qui est là. Et en fait il y a tout cet espace pour... Il y a un scooter du coup qui passe. Il y a tout cet espace en fait pour garer une voiture si on a besoin. Enfin, clairement, c'est pas trop le bon plan d'avoir une voiture. Du coup, là, j'ai une porte vraiment balinaise avec le petit toit comme ça ici. Donc, la porte qui est là. Et quand on rentre, du coup, donc c'est assez vert, c'est trop beau, c'est vraiment style balinaise. Donc, il y a cette plante, cet arbre aussi que je vais un tout petit peu couper parce qu'il est un peu trop grand et il faut plein de fleurs dans la piscine. Du coup, mon endroit préféré, en fait, ici, c'est le jardin. Il est absolument magnifique. Je vous fais un petit tour, du coup. Alors, du coup, ici, j'ai même un manguier qui est là. Ici, un manguier, qu'est-ce que je raconte? De la papaye. Du coup, c'était de la mangue au début, c'est pour ça, c'est resté. Du coup, de la papaye, du coup, il y a tout ce jardin qui est comme ça. Ici, on a la piscine, donc là, on voit déjà comment se présente la maison. Du coup, là, c'est... la cuisine, salon, il y a ma chambre derrière, il y a un petit storage, enfin, je vais vous montrer, et là il y a une autre chambre ici. Du coup, le petit jardin qui est vraiment absolument magnifique avec ces fleurs vraiment qu'on voit ici à Bali. Il y a une petite douche ici, les plantes, et là il y a tout cet espace. Donc j'avais peut-être envie de mettre une autre maison en bois ici pour avoir une chambre en plus. Ah bon, ça va pas se faire tout de suite, tout de suite. Et du coup ici, ah oui, j'avais une idée. En fait, j'ai envie de prendre ces trois plantes là. Je vous montrerai après où je veux les mettre. Parce que j'aimerais bien me mettre une boîte en bois, en gros, comme un compost, pour mettre tous les déchets du jardin ou les légumes, etc. Parce que déjà, il y a des problèmes ici à Bali pour tout ce qui est déchets. Donc pour moi, ce serait trop bien d'avoir un compost. Alors je pense que je vais devoir le faire moi-même. Mais bon, donc c'est mon idée, c'est de mettre un petit compost ici. Voilà, pour les déchets. Du coup, on arrive. Alors, il y a ces trucs-là, parce qu'en fait, des fois, quand il y a des intempéries, la pluie et le vent, genre, s'en fout partout. Du coup, on ferme ça et on est un peu protégé à l'intérieur. Du coup, je reprends. Donc là, c'est l'espace où on peut manger, en fait, dehors. J'avais aussi l'idée de mettre des racks pour les surfboards. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. En fait, c'est des petits trucs en bois. On peut mettre le board, genre, droit sur plusieurs murs. Je vais avoir. Du coup, quand on rentre, je m'essuie les pieds. Du coup, là, c'est la cuisine.
On voit un petit lézard qui est là. Du coup, la cuisine d'onglet, c'est le truc d'eau en fait. Parce qu'ici à Bali, donc je vous montre, il n'y a pas d'eau potable et ni d'eau courante. Enfin, je vais vous expliquer. Là, du coup, ça c'est ça et ça me fait des fraîches. Oui, à Bali, en fait, il n'y a pas d'eau courante. Enfin, je pense qu'il y a quelques personnes qui l'ont, mais c'est pas courant. Donc là, en fait, j'ai des grosses boxes où il y a un camion en fait qui vient les remplir pour avoir l'eau de la douche, l'eau du robinet, etc. Du coup, c'est un peu le bordel parce que bah, je cuisine. Du coup, là, c'est mes placards. J'ai le micro-ondes. J'aimerais avoir un four, ce serait mon rêve ici. Mais... à voir. Du coup, là où je fais mon café, là j'ai un smoothie qui m'attend. Du coup, j'ai un cuiseur à riz, etc. Un frigo, tout ce qu'il y a de plus simple. J'adore cet îlot central. Et ce que j'adore aussi le plus dans la maison, c'est en fait cette hauteur sous plafond avec bah, justement voilà, ce toit très typique d'ici. Il y a plein de choses qui vont changer, donc c'est cool que je fasse cette vidéo maintenant. Donc là mes petits trucs du Kiana que j'ai ramené de France parce qu'ici c'est vraiment cher. Du coup c'est un petit peu bordel, j'ai encore des trop trucs un peu partout. Du coup je vais changer en fait ce rouge là que j'aime pas, je vais changer ça, je vais faire quelque chose de plus dans mon style on va dire. La table qui est magnifique, je sais que la propriétaire l'avait fait sur mesure. Voilà, la télé, internet, ça je m'en débarrasse. Du coup ici j'ai un petit storage, genre voilà, je peux mettre là mon surfboard parce que je dois attendre, j'ai fait l'opération des yeux, de la myopie, du coup je peux pas surfer. Voilà, 2-3 trucs pour le ménage, ma pardon, ma valise, etc. Des fois il y a des mots qui viennent en anglais, le linge, les produits ménagers, etc. Je voulais en faire une chambre ici, mais j'ai vraiment besoin d'un endroit pour stocker, donc à voir. Et ici, j'ai un petit cabinet de toilettes. J'ai des petits soucis avec ma carte mémoire. Du coup, les toilettes qui sont comme ça, voilà, tout simplement. Et en fait, mon idée, c'était vraiment de casser ici, donc de mettre une vitre, vraiment, parce que là, en fait, c'est ouvert sur le dehors. Le focus, s'il vous plaît. Voilà. C'est ouvert sur dehors. Du coup là j'aurais voulu casser le mur en fait, faire une douche, casser ici, avoir une douche extérieure, enfin, un truc du genre, mais pour l'instant à voir. Le joglo me paraît plus facile, enfin la petite maison en bois à l'extérieur me paraît plus facile à faire. Du coup comme je vous disais, avec les plantes que je voulais retirer pour faire mon compost, les mettre là, parce qu'en fait l'herbe ici elle marche, enfin ça marche pas quoi. Et du coup mettre les deux petites plantes ou trois ici devant la fenêtre, ce serait plutôt pas mal. Les sièges à avoir pour les garder, sinon j'adore les lampes, elles sont vraiment magnifiques. La propriétaire m'a dit que c'était des... C'est ce qu'il y a sur les bateaux en fait typiques d'ici, et ils en ont fait des lampes, je trouve ça vraiment magnifique. Du coup c'est les portes pour amener dans ma chambre, du coup bah, je suis arrivée il y a quelques jours, donc c'est un petit peu le dégât. Donc là j'ai mis la table de chevet qui est là, enfin c'était pour poser mon ordinateur, enfin bref. Ça je vais pas garder, j'aime pas trop. La moustiquaire effectivement, et... voilà, le toit qui est incroyable, j'adore. J'ai ça. Ça me fait trop penser aux Sims, c'est le genre de truc qu'on n'a jamais, mais ici on a. Le lit. Là, c'est du coup bah, là où je mets mes habits, etc. Et aussi, qui est top, c'est quand on est dans le lit, en fait, on a cette petite vision verte. Et aussi, sûrement, les rideaux que je vais mettre en blanc. Voilà. Mais ça, ce sera plein de petits détails. Ensuite, la salle de bain que j'ai fermée, évidemment. Hop. Donc quand on arrive, c'est absolument incroyable. Du coup les petites plantes, la douche, j'adore parce qu'il y a le pommeau et ça en fait. Du coup mes affaires qui sont là. Un grand miroir. Oula, un grand miroir où on peut vraiment se voir, donc ça c'est cool. Et les toilettes, enfin, voilà, rien de particulier de ce côté-là. Du coup, et derrière. Ensuite, donc, on a une autre chambre. Il y en a deux, pour l'instant. Du coup, on ressort. Ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment indépendante. Et donc, on repasse par là. Et là, on arrive dans l'autre chambre. Donc, je la loue, s'il y a des gens intéressés. Du coup, on arrive ici. Du coup, ceux-là en vert, les rideaux, je trouve que ça va. Mais les miens en jaune, je suis pas trop fan. Il y aura d'autres plantes. Enfin, j'ai rajouté plein de trucs en vrai. Ça non plus, je suis pas trop fan. Donc, je pense pas le garder. Cette œuvre non plus. Je vais faire un autre style vraiment. Le toit aussi qui est un tout petit peu moins travaillé que l'autre. Où il y a une espèce de poutre qui vient aussi sur un pan du...
Quand on est du coup dans le lit, si j'arrive, voilà, avec la lumière, on a la vue sur le jardin, donc ici là avec ce que je voulais faire comme un petit compost. Et du coup, on a la dernière salle de bain, hop, qui est comme ça. Alors je trouve qu'elle est bien parce qu'il y a beaucoup plus de plantes, c'est pas mal. Enfin, elles sont un tout petit peu différentes, donc c'est plutôt cool. Voilà, avec le petit galet, etc. C'est le même principe, avec le miroir et les toilettes. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo de la maison que j'ai à Bali. Je vous ferai du coup un makeover, est-ce qu'on dit comme ça, genre les updates en fait de la maison, puisque je vais faire quelques petits changements. Elle est déjà superbe, je vous le dis, hein, j'ai rien à dire. C'est juste qu'il y a des petits trucs que j'ai envie de changer, que j'ai envie de faire un petit style un petit peu plus travaillé. Voilà, pour que ce soit une maison genre magnifique de mes rêves. dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi tout en commentaire et on se retrouve.